Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière joueur. Aujourd'hui, match de championnat face au FC Valence. Donc voilà, nous sommes actuellement deuxième au championnat. 21e journée, 41 points. Le Real Madrid qui est encore un petit peu devant, qui prend encore un petit peu d'avance. On va avancer un petit peu dans le calendrier en espérant qu'ils ne prennent pas de nouveau de l'avance. Ce qui serait un petit peu embêtant pour la première place, mais ils lâchent pas. Le Real ne lâche pas. Ok, donc ils n'ont pas encore joué. Ils vont jouer en même temps que nous, je pense. Au niveau du calendrier, eh ben aujourd'hui on affronte Valence, Manchester United. Et sans doute qu'on simulera ce match-là pour qu'on puisse jouer l'Atlético Madrid. Voilà, on prendra un petit risque. On prendra un petit risque en simulant ce match-là. En plus, on a 2 jours de repos. Donc comme ça, mon joueur sera à 100%. Bon, quoi qu'après, il y a pas mal de jours de repos. Mais on simulera, je pense, le match d'après. Tant pis, on prend des risques. Valence, on va les faire jouer en blanc. C'est parfait. Au niveau de la composition, on a toujours la nouvelle recrue sur le côté gauche, là, Richarlison. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais il n'a pas l'air d'être mauvais. Hein. Il n'a pas l'air d'être mauvais. Il y a quelques petits changements quand même au milieu de terrain. Voilà, Fabinho qui est toujours là avec nous. Donc il n'est pas parti. Donc ça fait vraiment plaisir. Valence avec le frère d'Eden Hazard qui joue là-bas. On a Fekir également. C'est vrai que Fekir il a Valence, on retrouve Fekir, Fekir qu'on a joué contre lui d'ailleurs en Car Manager, n'hésitez pas à aller voir l'épisode, j'ai sorti l'épisode 3 de la Car Manager, donc ça y est, elle est de retour, et d'ailleurs Fekir nous a fait une petite démonstration plutôt sympa, franchement il était chaud le Fekir, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu, je vous mettrai une petite fiche en haut à droite. Allez, let's go, et pour la première fois depuis longtemps, on fait un petit coup d'envoi à deux, voilà, let's go. Allez, bien débuter le match, ça serait pas mal, marqué assez rapidement. On verra à la mi-temps, j'espère que le Real joue en même temps que nous, comme ça on pourra voir le résultat à la mi-temps. Et voir si on doit prendre des risques ou pas. Faute ! Quoi, y a pas faute là ? J'ai l'impression d'avoir été gêné un peu quand même. Hein. Joueur à suivre. Ah, n'est pas le meilleur buteur, hein. On n'est pas le meilleur buteur, Griezmann qui cartonne pas mal également. Alors la vidéo également pour le sondage, hein, pour mon prochain joueur arrive bientôt. Hein. Arrive bientôt. Je vous avoue que c'est la première fois que je galère autant pour savoir quel joueur je vais faire. Enfin, le poste je sais, hein, ça sera un MOC, mais le nom, etc. C'est vraiment la première fois que je galère. La nationalité également aussi, parce que... Bon, j'ai envie de faire un français, mais j'ai envie de changer également, donc je sais pas trop. Oh là là. Pour l'instant, on joue sur des ballons en l'air, tellement qu'on a du mal. On est rentré en temps additionnel. De cette première période, clairement, pas grand chose. Enfin, même rien du tout. Elle a encore un ballon dessus. Bon, ça va, je vais le récupérer, mais on a du mal à jouer le ballon à terre. Peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ah mais non, ben non, Dembélé, faut la soulever là. Là par contre, tu peux la soulever la balle, s'il te plaît. On est reparti. Il va falloir faire mieux, il va falloir faire beaucoup, beaucoup mieux. Bien joué ça, Dembélé. Bien joué ça, Dembélé, qui s'arrache comme ça pour récupérer les ballons, c'est pas mal. Allez, let's go. Par contre, derrière, faut que... C'est lent quand même. C'est un peu lent. Oh ah, non, j'avais appuyé sur le bouton. Allez. Allez. Oh non, mais non, pourquoi ce ballon il passe pas? Sur la nouvelle recrue en plus. Oh là là, dommage que le ballon juste avant il passe pas. Ça va être compliqué d'aller chercher le Real. Hein. Clairement. Si on fait des matchs comme ça là. Si on peut marquer sur un corner, pourquoi pas de la tête, mais ce qui est pratiquement très très rare. Allez, 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 allez. Bien joué Ricardo. On a l'habitude de marquer des buts à la 90e minute. Allez. Mais non, mais pourquoi ce ballon en l'air? Non. Oh, mon contrôle, il est mauvais. Mon contrôle, il est mauvais. Mon contrôle. Mon joueur, faut qu'il fasse le mieux le contrôle, là. Qu'il contrôle mieux. Oh là là, même là-dessus. Hein. Vous avez vu le contrôle, là, qui était pourri. Allez, allez, faut qu'on continue. Faut qu'on continue à pousser, là. Allez. Allez, Dembélé.
Oh non! Non, mais mon joueur, il a fait quoi? Oh, j'étais hors jeu. Non, mais regardez là-dessus, Dembélé déjà. C'est bien ce qu'il fait, hein, Dembélé. Hein. Bon, moi, je suis hors jeu. Mais ma frappe, on en parle de ma frappe derrière là? On la voit même pas. 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, il se renferme. Oui! Allez! On n'est pas un pro, on n'est pas un pro de la 90e minute, nous. On n'est pas un pro de la 90e minute. Let's go. C'est pas la première fois en plus, hein. C'est pas la première fois qu'on sauve un match comme ça. À la dernière minute. Yes! Ah là 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 là, cette saison là, elle est compliquée, hein. Allez. Bon, il n'y a pas eu de match, hein, du coup, à l'Oréal, ils n'ont pas encore joué. Alors, le classement, le voici, 22e journée. Et bah, le Real Madrid qui ont fait match nul. Qui ont fait match nul, donc du coup, ils étaient à 47 points, hein, s'il me semble bien. Donc ouais, ils ont fait match nul. Donc, on revient tout doucement. Mais heureusement, hein, heureusement quand même qu'on a gagné. Et en plus, on a l'Atlético Madrid, pardon, qui arrive derrière. Du coup, on est parti, match face à Manchester United. Est-ce qu'il y a eu quelques changements par rapport à la composition d'avant? Voilà, non. Pas de changement, c'est un petit peu au milieu de terrain. En défense, pas de changement non plus. Alors, voyons voir. Ah, Pogba est toujours là, hein. Pogba est toujours là, il est sur le banc. On a l'attaquant belge qui est là à la pointe de l'attaque. Anthony Martial toujours là également. Ok, bah en fin de compte, il reste quand même pas mal de bons joueurs du côté de Manchester United. Enfin, des joueurs même déjà qui étaient déjà là et qui y sont encore. Il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention. On peut voir les joueurs du Barça. Hop. Ok. Allez. On est parti. Fabinho. Ah, je suis content quand même Fabinho soit resté au Barça. J'avais vraiment peur qu'il parte. Et au final, il a décidé de rester. Il a bien fait. Oh là là, oui. Bim. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. On obtient un corner. Allez, let's go. J'espère qu'on va pas attendre de nouveau à la 90e minute pour Martin à mettre un but. Hein. Ça va être récupéré ou pas? Ah, dommage. Si, ça va être récupéré, ça va être pour nous. Ce sont deux joueurs à surveiller du fait de leur influence sur le rendement offensif de leurs équipes respectives. On est passé avec un peu de chance. Oh, dommage! Dommage! Allez, Fabinho pour le corner. Ah, mon joueur, il s'écroule là dans la surface. Mon joueur, il est tombé. Attention à Lukaku par contre, hein, parce que il est costaud. Oh, attention à Martial aussi. Attention à Martial, j'avais zappé. J'avais zappé Martial. Hop, la petite récupération. Petit passement de jambe. La frappe. Un peu loin. On récupère, bim. Tu la redonnes. Bim. Allez, on continue à mettre la pression. Le corner en direction du point de pénalty. C'était dangereux. Mais la défense, c'est. Fabinho. Oui, je suis tout seul. Quoi? Ah, c'est le poteau. Oh là là. Mais oh là là, ce centre de Fabinho. Oh là 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 là, ce centre de Fabinho. Donne. Voilà. Hop, je la redonne. Paf, tu tentes le petit centre. Ou la remise, oui, bim, Fabinho. Oh, Fabinho, non, Fabinho, moins fort, Fabinho. Oh là, mais regardez mon pied droit, mais c'est ouf, hein. J'ai un mauvais contrôle, hein. Mon pied droit en ce moment, c'est pas trop ça. Hein. Oh là là, bien joué Dembélé. Bon, début de seconde période, c'est dommage. Première période plutôt, ou auquel on a été plutôt bien quand même. On a eu pas mal le ballon. Ah, on n'a pas pu frapper. On n'avait pas eu encore l'occasion là en seconde période. On a du mal à garder un peu plus le ballon quand même. Là-bas.
Dembélé, est-ce qu'il va nous tenter? Oh oui! Encore une fois, juste. La passe était bien. Allez, faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Le tir. Oui! Il est magnifique! Il est magnifique celui-là! Oh là 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 là! Regardez, on attendait bien, je savais qu'il allait me la donner, bim! Et là, j'ai le temps d'enrouler! Oh là 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 là! Mais oui, Parker, mais oui! Il est là! Allez! 70e minute! Martial, pour l'instant, ça va, on lui laisse pas trop d'espace. Attention à Pogba qui tient bien debout. Il va frapper! Dommage qu'on n'ait pas pu tuer un peu plus ce match quand même. Attention. Oh là là. Allez, une dernière frayeur. Désolé. Ah non. J'ai tiré 5 fois hein, comme dans ce match. Le gardien ? Non ! Si l'entraîneur avait pu courir vers ses joueurs pour les féliciter, je crois qu'il l'aurait fait. Une belle scène de joie collective en tout cas. Dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est... Ah ok, d'accord, c'est contre son camp. Mais non, mais c'est le gardien en plus. C'est le gardien qui... Mais non. C'est cruel. Oh non, mais non. Il lui a accordé le but en plus. Oh d'accord, super. Donc à égalité, un but partout. Oh non, mais non. Oh là là. Putain, mais c'est pas possible, sérieux. Qu'est-ce que tu me racontes, Pogba, là? Bon, le Lyon, ils ont fait 0-0 face au Real Madrid. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est un bon résultat. Du coup, prochain match. J'ai pas envie de le simuler, parce que là, du coup, comme le... Est-ce qu'on simule ou pas? Oh là là. On tente le coup. Allez, on tente le coup. Je sais pas c'est qui m'en remplace en plus. On gagne 1-0, c'est parfait. Allez, on est parti. On a combien? On a actuellement 19 matchs joués, 25 buts, 4 passes décisives. Putain, des passes, on en a pas fait énormément. Allez, on est parti face à l'Atlético Madrid pour ce dernier match. On va passer la composition parce que comme vous le savez, la Liga n'aime pas qu'on fasse montrer l'interface de la composition. Donc voilà. Du coup, je peux pas vous faire montrer la composition, sinon je vais me taper un droit d'auteur. Pourquoi je ne sais pas, mais bon, on va essayer de voir un petit peu les joueurs qu'il y a du côté de l'Atlético Madrid. Ça va pas. Il y a toujours Grisou, il est là. Grisou qui était pas mal en nombre de buts, etc. Allez, on est parti avec le numéro 7. Est-ce qu'on le garderait pas pour le prochain FIFA, le numéro 7? Je pense que ça va devenir mon numéro 1, le numéro 7. Quoique le numéro 10, c'est pas mal aussi encore en tant qu'MOC. Allez, let's go, c'est parti. Et on se fera bien sûr la finale de Coupe du Monde. Donc là, c'est pas encore la finale, mais on verra en espérant que l'équipe de France va jusqu'en finale. Mais oh là, mon micro avait bougé. Je vais perdre le ballon, voilà. En espérant que l'équipe de France va jusqu'en finale, mais dans tous les cas, on fera la finale de la Coupe du Monde sur FIFA, bien sûr. On se fera les deux équipes qui ira en finale. On se les fera un petit peu juste avant le 15 juillet, je crois qu'elle se joue la finale. Je pense qu'on se fera une petite finale de Coupe du Monde sur FIFA le 14 juillet, le jour de la fête nationale. Ça peut être sympa. Ok, je te la redonne. Allez. Oh, dommage. Je sais pas si c'était un peu trop fort, je pense, ça. Première occasion. Oh, boum. Ça aurait pu. L'occasion de tout à l'heure. Oh, c'était... Ah, pas sûr. Ouais, non, je pense que c'était à côté. Griezmann pour le corner, 18e minute. Ok. Le petit tac. Ok, il est passé à travers. Grisou qui récupère. Grisou a frappé. Oh, attention quand même de ne pas perdre des ballons comme ça là. Oh, attention. Oh là là, on est sauvé par le poteau. Ouais,
Ah ouais, mais là, il fait trop d'espace, là. Heureusement, il a joué en une touche de balle. Il est un petit peu trop court sur le ballon. Pour l'instant, impossible. On n'a pas le ballon. Pour l'instant, c'est compliqué. Faut qu'on se réveille un peu. Oh là là. Et Carrasco qui passe sur le côté. Attention à la déviation. Oh là 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 là. Bon, on n'est pas bien. On n'est pas bien en match là. Ok. On n'est pas bien. Et en plus, c'est un match important. Hein, parce que bon, l'Atlético Madrid, ils sont quand même 3e. Pour l'instant, on est à 5 tirs du côté de l'Atlético Madrid. Contre 2 pour nous. Et la possession du ballon pour eux également. Alors qu'on est à domicile. Allez. Peut-être jouer sur un contre. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On va se le prendre. Oh là 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 là. Allez. Oh, vous entendez peut-être. Oh là là, non, mais c'est pas possible. Ça va, il y a faute. Hein. Vous entendez peut-être les petits oiseaux hein, en fond. On joue un peu avec la fenêtre ouverte parce que sincèrement, ça crève de chaud. J'avoue, ils font un bordel là. Oh, penalty. Eh ouais, Grisou qui va chercher le penalty. Bien joué. Oh là là, non mais là on est vraiment pas bien, on se fait balader. Hein. Oh, c'est même pas Grisou qui tire. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Franchement, on est passé en attaque de folie, je sais même pas. On a clairement pas le ballon, c'est horrible. Oh là là, on a la ramasse en défense. Allez, let's go les gars. On s'est marché dessus là. Allez. Voilà, ça c'est un bon ballon. Voilà. Voilà. Allez, let's go. Let's go. Parfait. Le gardien qui était pas loin de l'arrêter quand même. Hein. Le gardien qui était tout près. Eh, il a touché un petit peu, je crois. 14e but en championnat. J'aimerais bien arriver à 20 buts, ça serait cool. Eh mais. Et le. Non mais le joueur il me bloque. Le. Mais il est sérieux là Oh là là, dommage. En plus elle est déviée en plus. Il me semble qu'elle est déviée. Et il y a un joueur qui. Tiens lui là. Je sais pas si. C'est... Je crois que c'est un Colombien ça. Il m'a bloqué pendant toute l'action là. Juste avant. Oh mais la blague. Je suis sûr qu'on aura un autre contre auquel on peut mettre un but. Par contre, il y a trop d'espace là pour. Bon, dans l'ensemble du match, franchement, il mérite de gagner. Encore une fois là-dessus là. Bam, il récupère un peu le ballon derrière lui. Et malgré ça, il attend de reprendre bien le ballon correctement et d'aller marquer. La dernière occasion. Et bah c'est mort. C'est mort. Oh là là, on perd 2-1 mais c'est mérité. Franchement c'est mérité. On n'a pas eu le ballon en première période. Ils ont bien joué, franchement ils ont bien joué également. Alors, voyons voir un petit peu. Et ouais, on a perdu la troisième place. La deuxième place. Ils sont en train de s'envoler. Pourtant on n'a pas. Ah, on a 5 défaites quand même. 5 nuls. La Titi Kowari, ils ont fait beaucoup de nuls aussi. Et du coup on perd la deuxième place. Ouais, va falloir quand même se réveiller. C'est dommage. C'est dommage, mais ouais. Maintenant, il va falloir essayer de moins d'aller chercher la deuxième place. En plus, on a les matchs. Bon, il nous reste encore la Ligue des Champions qu'on peut gagner, mais bon. Ça risque d'être tendu. Face à Manchester United, on avait gagné. On avait fait match nul, c'est vrai, on avait fait match nul. Ah, dommage. Mauvaise opération. Donc voilà, en tout cas, pour cet épisode en carrière joueur. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et on se retrouve très très vite pour la suite.
Essayer d'aller chercher le Real Madrid. Mais bon, là-bas, ça se complique de plus en plus. Donc bref, on verra bien.